retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester des PS1. T'envoies un peu à droite, t'envoies un peu à gauche, t'envoies un peu partout, frérot. Je vais te montrer ça. Rien. Il y en a partout. Combien? Je sais pas. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 18. 18 PlayStation. Donc, bah, c'est parti. Let's go. Alors, j'ai pas pris de jeu. J'espère que sur la première, il y a des jeux quand même. Donc, on a différentes PlayStation avec différents références. Il n'y a pas vraiment de choses qui changent. Je sais que les 9000 et des patates sont un peu plus fiables. Je sais que les 1000 et des patates, c'est les premières, elles sont pas du tout fiables. Donc, on va commencer par les 9000. Voilà, on est sur AV. Est-ce qu'il y a un jeu dedans? Vous le voyez pas, mais il y a un jeu, c'est Verali 2. Let's go, la première ne s'allume pas. Yeah, motherfucker. Ah ouais, la première ne s'allume pas. Ça commence bien. Oh putain, c'est ouf ça. C'est ouf, non? On est bien d'accord? Bon, il y en a aucune qui fonctionne. Je reviens, j'essaie de chercher un câble d'alimentation et je suis à vous. Mais c'est dingue ça, Polo, prépare tes câbles, on a dit. Vous voulez que je vous raconte une histoire marrante? C'est qu'en fait, j'ai pas branché le bon câble, j'ai juste branché en fait le câble de la Super Nintendo. Ah ouais, non mais... J'avais les câbles de la Super Nintendo, frérot, que j'ai pas rangé. Alors, la console fonctionne, le jeu, je ne sais pas, je vais pas te mentir, le jeu dedans, il est depuis 50 ans. Mais rien que le fait que ça se lance comme ça, ça me suffira pour tester les consoles. Je trouverai peut-être un jeu à droite à gauche à prendre, mais on verra. Hein. Pour l'instant, on est juste là pour tester un petit peu les consoles. 2 secondes à peu près, tu vois, et puis après on voit. Hein. Là, tu vois que ça fonctionne. On n'est pas là pour jouer à la console, on n'est pas là pour... voilà, on est là juste pour tester un petit peu la console, voir si ça fonctionne. Donc j'en ai 18, c'est ça que je disais. Bon, bah sur les 18, j'espère qu'il y en a... Allez, au moins 15 qui vont être là. En sachant que si j'en ai 15 qui fonctionnent, il y en a 10 qui partiront. Alors, où j'en sais rien, mais qui partiront. Pour la simple et bonne raison que bah, la PS1 est vite remplacée par la PS2. Hein. C'est les câbles PS2, par exemple. Donc, tu vois, la PS2 peut jouer avec les jeux PS1 et tout. Donc, j'en garderai 5, grand maximum, 5. Voilà, on verra un peu ce que ça va donner. Alors oui, comme je le disais, hein, au niveau des différences des consoles, il n'y a pas énormément de différences visuelles. La plupart du temps, ça va être vraiment à l'intérieur. Par exemple, une mémoire vive un peu plus petite ou un peu plus grande. Ça va être quoi? Ça va être bah, tout simplement le fait que certaines consoles, par exemple, voilà, je vais essayer de voir, je crois que c'est celle-là qui est en 1000. 1002, je crois. Non, c'est une 5000, celle-là. Hop, on va foutre ça là. Ça, c'est une 1002. Ouais, ça, c'est les premières. Tu vois, par exemple, les premières, elles ont la lentille ici. Tu vois, elles ont la lentille ici qui est proche de l'alimentation. Et sur les nouvelles, entre guillemets, sur les 9000 ou même sur les 5000, hop, on va l'enlever. La lentille est ici. Donc, elle est mise un peu plus loin que l'alimentation parce qu'en fait, il y avait des petits surchauffes, hein, tu vois. Alors, sur la première console, vous l'avez pas vu, mais la petite LED verte, elle est pas ouf. Frérot, elle est pas ouf. Donc, sur la première, mais c'est pas bien grave. Le principal, c'est que ça fonctionne. Okay. La LED, frérot, on s'en fout. Au pire, on appellera à LED. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est marrant alors que c'est pas marrant. Bon, ça fonctionne aussi sur la deuxième. Pareil, sur les premières, il y avait le parallèle qui est ici. Et bien, tout simplement, en fait, c'est un périphérique à part. Mais vu que PlayStation... n'ont jamais fait vraiment, à proprement parler, des périphériques officiels à part, et ben ils l'ont enlevé sur les autres, en fait. On en apprend tous les jours. Ah, il y a mon Pocket Fighter. Je le recherchais. C'est ce jeu-là. Pocket Fighter, c'est Street Fighter, avec les personnages, mais en petit, en enfant. Bah, attendez, je vais vous montrer directement. Ah ouais, non, franchement, reste là, frérot. Donc, putain, je suis content, j'espère qu'il va refonctionner, frérot. Okay. Bon, je te mets n'importe quoi, frérot, c'est juste pour que tu vois un petit peu le design du truc. Hein. Mais c'est trop kawaii! Donc, tu vois, les personnages, ils changent un petit peu. Alors, par contre, il y a un problème de musique. Peut-être que je me suis gouré, mais... Bon, je suis une merde, hein, frérot. Je me fais harakiri, frérot. Donc... Le pocket, il fonctionne, on va le mettre en haut, hop. Il faut savoir, et je préfère le préciser, là on est en train d'essayer les consoles qui sont le plus faciles, qui sont les plus fiables, les dernières consoles. Donc je pense que sur ces, je sais pas combien tième, ah elle était déjà allumée elle par contre. Et il y avait Formula One 97. Formula One 97 qui a été un jeu qui a percé mon enfance quand j'étais un peu plus jeune, frérot.
Elle fonctionne, c'est plutôt cool et ça fait vraiment plaisir. Rien à dire, regardez comment c'est beau. Donc, hop. Et on va bien sûr s'amuser à virer le petit... Hop là. Alors il y a beaucoup qui vont me dire, ouais mais tu mets les jeux comme ça, t'inquiète pas frérot, ça va bien se passer. Hop là. Une nouvelle, pas de jeu dedans, on va mettre Kotobuki. C'est trop beau, regardez-moi ça, c'est trop beau frérot. Rien à dire, c'est trop beau frérot. C'est magnifique frérot, que dire de mieux. Hop, elle fonctionne aussi. En fait, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ceux-là. Ceux-là, il y a les 7000, tu les vois pas, et elles sont là, tu vois. Il y a les 9000, les 7000, les 5000 qui est derrière, et les 1000, les premières qui sont là. Et je ne sais pas vraiment. Franchement, j'ai peur sur les 1000, c'est les toutes premières, en fait, donc... Ah. Bon, celle-là, elle est bloquée. On va essayer quand même comme ça, mais celle-là, elle est bloquée, frérot. Donc c'est pas bien grave, si ça fonctionne comme ça, celle-là je la mettrai de côté pour débloquer le bouton pour le clapet. Et ça fonctionne quand même, donc celle-là je vais quand même la mettre de côté pour gérer un petit peu le bouton, je vais lui mettre du WD-40 dans la gueule, elle va rien comprendre frérot. Bon celle-là je vais la mettre de côté, comme ça je vais pouvoir la réparer un petit peu. Un jeu ou pas? Non, pas de jeu, dommage. Hop, on va foutre le Mortal Kombat en haut. Vous allez me tuer. J'adore d'entendre ce bruit là, ça rappelle trop de souvenirs, c'est un truc de fou frère. Oh. On va essayer d'autres jeux bien sûr, hein. Tu le vois en haut là. Tu le vois là. Mais ça voudrait dire que peut-être la lentille ne fonctionne pas, le jeu fonctionne, mais la lentille peut-être pas. Pourtant le jeu il tourne. Ah là 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 là, problème de lentille, la plupart des PlayStation c'est souvent ça. Eh bien ça se lance, tu vois, un petit coup de décrassage et c'est bon, ça se lance. Oh là, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop, on vire le Kotobuki. Donc celle-là aussi, elle fonctionne. Problème de clapet aussi. Dites-moi un peu votre ressenti au niveau des clapets. Comment vous faites pour les refaire fonctionner? Moi personnellement, WD-40, je fous ça là-dedans. Et puis The B frérot, tu vois. Là, il y a un autre problème aussi du clapet. C'est vrai que c'est, y a plusieurs problèmes au niveau de la PS1. C'est le clapet et aussi la fameuse lentille qui merdouille un peu. Ici, je suis obligé de tenir sur cette 8ème console. Je suis obligé de tenir la console en elle-même parce que le clapet n'arrive pas à remonter. Mais elle fonctionne. Pour l'instant. On va voir. Oui, ça fonctionne. Allez hop, c'est parti, let's go! Wouah, j'ai fait. Oh, j'étais trop confiant, frérot. Let's go! Et bah non, en fait, c'était pas loin de pas let's go, en fait. Oh là, et si toutes les consoles peuvent. Franchement, j'ai peur, c'est ceux-là. Tu le sais, frérot. Les 4 qui sont là, je vais vraiment avoir peur. Hop, ça fonctionne. C'est parfait. Hop, il y a un Disney Donald Duck Quake Attack. Le Donald Duck qui fonctionne. Mais oui, il fonctionne, donc c'est plutôt cool. Oh, cette fluidité de dingue. Cette fluidité de dingue, ma gueule. Incroyable, mais vrai. Donc, bah, ça a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt cool. Allez, on va passer au 7000. Que je me gourre pas de sens. Hop, let's go pour la 7000. 502, je sais plus combien c'est. Et je vais pas retourner la console frérot parce que ça va péter la console après. Et ben ça a l'air de fonctionner encore une fois, donc c'est plutôt cool. Il va y avoir un grand ménage. Parce qu'en fait, qui dit virer des consoles PS1 dit virer aussi des manettes PS1 et qui dit aussi virer des câbles PS1. Ça va faire du bien de virer tout ça en fait, ça va faire du bien. Donc comme je l'ai dit sur les PS1, ça va être donné soit à des magasins indépendants, soit ça va être donné, ça rame, soit ça va être donné à Emmaüs. Alors je vois que ça rame, alors, petit coup de décrassage de la lentille. Alors ça va merder là. Et ben un petit coup de décrassage et puis ça fonctionne. Mmh.
là je suis plutôt agréablement surpris quand même en me disant que tout fonctionne actuellement, donc c'est plutôt cool. Sauf une, mais la plupart il y a des problèmes de clapet frérot. Allez hop, c'était là que ça avait merdé sur l'autre. Est-ce que là ça va merder? Non, ça fonctionne. Yo, maman. Ou pas? Oui, allez hop, on passe à l'autre. Allez. A chaque fois ça me fait flipper frérot. Alors par contre, attends, hop, ceux-là, on va les foutre de côté. On va prendre ceux-là. Voilà. Donc ceux-là, c'est des 5000, ceux-là. Et ben, ça m'a l'air de fonctionner. Putain, mais la qualité était belle avant. Oh, très belle qualité. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bon, ben voilà. Ça fonctionne. Voilà. Allez, hop, on commence les 5000. Ça a vraiment besoin d'un coup de nettoyage. Tout ont besoin d'un coup de nettoyage. Mais je serais totalement étonné que tout fonctionne. Vraiment, 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 hein. Encore sur les Super Nintendo et tout, ça me dérange pas parce qu'il n'y a pas des lentilles, tu vois, sur les Super Nintendo, sur les NES, sur les Mega Drive et tout, tu vois, il n'y a pas de problème, enfin, il n'y a pas des lentilles, frérot. Donc c'est bon, tu vois. Ah! Oula! Qu'est pas ça? Oula! Bonjour avant! On va mettre un coup de lentille dans la gueule, enfin, un coup de. What? Oh lolo! Regardez! Oh, je sais pas si vous allez le voir! Il y a carrément le bout! Il y a carrément le bout ici, frérot, qui est dedans. Il y a carrément le bout qui s'est dissocié de la console! Ah, j'étais étonné, je me suis dit, mais. Ces bouts rouges là, c'est pas normal, frérot. Donc, on lui a mis quand même un petit coup vite fait. Bon, bah, tu vois, on a plus déjà ce problème de trucs qui scintillaient là. 3, 2, 1. Ça fonctionne. Alors ouais, c'est vrai que le bout, il s'est barré avec la console, frérot. Enfin, avec le jeu. Cette magnifique 5000, je sais plus combien, 5502. Magnifique, avec un stickers Player One. Vous le voyez pas, voilà. Ça me démange quand même de retirer le stickers. Oh, mais en dessous, la PlayStation, elle doit être tellement belle. Je trouve que ça reste beau quand même, les stickers comme ça, mais... Ah, ça fait partie de l'enfance, hein. Avant, on faisait ça, frérot. Mais c'est vrai que, bah, je sors qu'en dessous, la console, elle est belle. Il nous en reste deux à tester. Maintenant, il nous reste, bah, les plus vieilles, les deux plus vieilles à tester. Les 1000 et des patates, les 1002, si je me trompe pas. Je crois que c'est les 1002. Chez nous, il y a eu que les 1002. Sur les autres, c'est 1001 et 1000 sur les autres. Bon, allez. En fait, ça me fait vraiment peur de les tester parce que, bah, je sais pas vraiment ce que ça peut donner, frérot. Alors, derrière, si tu veux, la... Merde, elle était déjà aimée. Hop. Là, en fait, derrière, si tu veux, il y a les ports audio out, vidéo out, etc., etc., le mono, etc., etc. Donc voilà, ce qui change, c'est ça. Et puis, un peu moins fiable quand même, on va pas se mentir, sur les consoles, en fait, c'est un peu moins fiable, entre guillemets. Donc, bah écoutez, après, tout fonctionne, et bah je suis quand même putain d'étonné quand même, hein. Que toutes les PlayStation fonctionnent, je suis totalement étonné. Non, vraiment, c'est ouf, parce que je pensais pas que toutes les consoles allaient fonctionner. Je pensais vraiment pas. Attends, je dis ça, mais il y en a une autre, hein. Il y en a une dernière qui est bien jaunie, hein, à l'idée. Je la referai, cette blague. À chaque test de console, je referai cette blague. Les PlayStation 1, les lentilles... Saucisse, blablabla. Bah, j'ai toutes les consoles qui fonctionnent. Toutes les consoles qui fonctionnent. En moi et uni. Eh bien, les amis, on s'arrête ici pour ce crash test. J'espère que ce crash test vous aura plu parce que j'arrive plus à parler de la France. Mais sur les 18 consoles, il y en a 18 qui fonctionnent. Je crois que j'en ai 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sur les 17 consoles. Sur les 17 consoles, bah, il y en a 17 qui fonctionnent. 17 ? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sur les 17 consoles, il y en a 17 qui fonctionnent. Je ne l'aurais absolument pas cru. Mais en fait, oui. Et bah, je suis plutôt très content, très satisfait de tout ça. Donc, 17 consoles, ça veut dire qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui vont dégager avec une manette ou deux manettes et des câbles. Putain, ça va faire du bien. Je crois que
Je vais me retrouver à poil, frérot. Et attends, 17 consoles, j'en vire 10, il y en a encore 7, hein. Attends, frérot. Bon, bref, je vous fais des petits bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, mettez un pouce bleu, protégez-vous et ne faites pas l'amour. Ciao, bébé d'eau. Yo, motherfucker. Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux fuck the rock, baby, ta soul, baby.